sur Beurre FM. Bonsoir, bienvenue. Je reçois ce soir le réalisateur Mohamed Zaoui dans le film documentaire Je suis condition humaine est en compétition à la 7e édition de la manifestation internationale Nikon Film Festival jusqu'au 15 février prochain. Vous pouvez voter chaque jour. Ça reste un film très émouvant, attachant. On va en parler jusqu'à 21h. Et une première question toute simple. Quel était ton objectif principal lors de la fabrication du film « Je suis condition humaine » C'était une commande? Tu l'as fait après le festival? Comment ça s'est passé? Moi, toujours dans mes films, il y a de l'imprévu. C'est-à-dire je ne prévois pas les choses. J'étais en train de me balader à l'esplanade de la Défense. Je faisais des photos. Il y a de la lumière, il y a des perspectives. Derrière, il y a l'Arche de la Défense et de l'autre côté, il y a les Champs-Élysées. Donc, j'aimais bien cette lumière, contraste de l'architecture. Et à un moment, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc, j'ai cherché, je ne suis pas allé dans un café. Je suis allé dans une enceinte, sorte d'estrade, au milieu d'un espace, on dirait un théâtre. Il y avait une personne aussi qui cherchait son téléphone. On était dans l'indifférence, mais à un moment, il a mis la musique. Et c'était la musique de Farid Al-Atrash. Voilà, ça m'a rappelé mon enfance, parce que moi, je suis dans un petit village où il y a la tradition culturelle, il y a... Et Farid Al-Atrash, on l'écoutait à la radio algérienne. Et puis, on l'écoutait surtout chez le coiffeur. Il y avait une réaction tout de suite. J'ai pris mon appareil et je commençais à le filmer. Quand même en France, on n'entend pas des musiques orientales. Même la musique des immigrés, on l'écoute dans des cafés fermés ou chez soi, dans la maison, ou bien dans les radios communautaires. Dans la rue, je t'écoute attentivement. Oui. Hein. Pourquoi il n'avait pas mis son écouteur, il n'avait pas mis de casque? C'était comme ça. Oui, non, ce n'est pas quelqu'un qui met son casque. Okay. Le contraire, c'est quelqu'un qui... Il avait une clé USB. Ouais. Et il avait aussi un appareil. Moi, je l'ai filmé dans cette situation. Et tout de suite, il s'est mis à se mettre en scène. C'est ça. Ce que j'ai remarqué. C'est incroyable. Parce que la première scène du film donne l'impression au spectateur qu'il est en train de... le spectateur, hein, moi-même, je me dis, je suis en train de regarder un film avec un vrai comédien, alors que non. Cet endroit où il se met au milieu, comme c'est le maître du monde, ou le maître de cette place-là. Je lui ai demandé, est-ce que tu as fait du théâtre? Il m'a dit jamais. Je voulais se donner en spectacle. Mais un spectacle de la douleur. Oui. Vraiment. Tu as vu comment le visage, ouais, l'expression... Il y avait l'introspection, en même temps, il y avait cette demande peut-être de l'autre... Vous voulez attirer du monde, vous voulez parler aux gens, vous voulez que les gens viennent peut-être l'aborder. Mais quand il a vu la caméra, il a vu je suis en train de le filmer, là il a bougé un peu partout. Et je ne me suis pas arrêté à le filmer jusqu'à la tombée de la nuit. Jusqu'à où deux Bulgares, ils sont venus deux SDF, qui sont assis derrière lui. Et lui, il parle à personne. Et personne ne lui parle. Comment tu perçois le format de ce court-métrage? Est-ce que c'est humainement quelque chose d'important pour toi, le fait, le cinéma de l'imprévu de... Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça un film documentaire? Comment on peut l'appeler? Oui, il est proche de la fiction, en même temps, documentaire. Parce que de la fiction, c'est pas quelqu'un, je lui ai pas donné un rôle. Donc tu le conçois comme un film documentaire. Un film documentaire, c'est une situation de la vie, voilà. Un moment. C'est un instant de vie. Que j'ai capté. On va peut-être en lire. Moi, j'ai imprimé un petit peu les commentaires de quelques personnes sur les réseaux sociaux. Peut-être tout à l'heure, si on aura le temps. Oui. On va s'arrêter. On va écouter quelques instants pour rentrer aussi dans le bas, pour imaginer ce monsieur, ce qu'il écoutait. On écoutera Farid Al-Atrash un petit... Pour notre plaisir et aussi pour le plaisir de ce monsieur qui s'appelle comment déjà? Driss Alami. Voilà, pour Driss, il est à l'écoute. On lui dédie cette musique de Farid Al-Atrash. Vous êtes bien sur Beurre FM et notre invité
de ce soir, qui est Mohamed, le réalisateur Mohamed Zawi. Dans le film, je le disais tout à l'heure, Je suis condition humaine est en compétition, à la 7e édition de la manifestation internationale. Donc c'est le festival Nikon Film, et vous avez le temps jusqu'au 15 février. On vous donnera le lien, c'est simple, c'est festival Nikon Film. On vous donnera le lien tout à l'heure. La différence de mon film avec d'autres films, autres films sont bien, c'est-à-dire structurés. Il y a un réalisateur, il y a la division du travail du cinéma. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs de son, il y a de la lumière, il y a assistants réalisateurs. C'est travail en équipe. Moi, je travaille seul. Voilà. C'est-à-dire, c'est moi qui filme, et après, je rentre chez moi, je monte, je choisis les images, je fais l'étalonnage. Je fais le mixage. Est-ce qu'on peut parler, en parlant de cette question justement, de multiples rôles que tu assumes au sein du générique, parce que je n'ai rien que toi. Est-ce qu'il s'agit d'une contrainte ou d'une volonté de ta part ? C'est-à-dire, je suis solitaire, sincèrement. D'où l'intérêt pour ce personnage. Oui, voilà, il me parle, le personnage aussi, parce qu'il est solitaire. Attention, on va faire un peu de psy, là. Oui. Tout à l'heure, je t'avais posé la question, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce personnage ? Oui, oui. C'est la douleur de l'exilé. C'est un exilé comme moi. Je travaille sur des sujets que je ne prévois pas du tout. D'où cette appellation, le film de l'imprévu. D'ailleurs, dans un scénario, on peut écrire, on peut écrire les sensations du personnage, tandis que dans le film que tu veux faire, c'est vrai que l'écrit, c'est autre chose. Et dans le film, il faut pouvoir les montrer. Et même si c'est écrit, toi, c'est même pas écrit. Donc voilà. J'écris pas, moi, les images. Mais voilà. Oui. C'est ça. Mais il y a toujours une histoire à raconter. C'est ça ce qui est bien. Oui. Dans l'imprévu, tu arrives à raconter des histoires. Oui. Par exemple, le retour d'un ancien condamné à mort. C'est une première dans l'histoire de l'Algérie, de la France. Quelqu'un qui revient à sa prison après 50 ans. C'est un film à faire. Je l'ai monté. Voilà. Un autre film aussi sur un romancier qui restait chez moi deux mois avant sa mort. Il est en face de la mort. Il parle. Cet instant, il faudrait le mémoriser. On dit mémoriser. Bah, oui, c'est ça. Ce monsieur, il m'a intrigué, je me suis dit, il se met en scène, il avait envie qu'on s'intéresse à lui, qu'une caméra, qu'un monsieur le filme. Et c'est vrai qu'une image vaut mieux que 10 000 millions de mots. Le cinéma peut s'exprimer de différentes façons, il y a différents niveaux. Et ce qui te passionne, ce que tu as essayé de faire, et ça a marché. Toi, tu as... Parfois, il y a des réalisateurs qui font du casting sauvage. Ils se baladent comme ça. Toi, le contraire, c'est que tu as fait du casting sauvage. Tu l'as filmé, tu n'as pas demandé son autorisation. Alors, une fois que tu as filmé, comment ça s'est passé? Je suis curieux. Tu as été lui parler, tu as dit ce que tu en... Moi, je te dis, vraiment, il m'a fasciné, ce personnage. Raconte-moi. C'est-à-dire, c'est une fascination incroyable. Il m'a dit qu'il n'est pas immigré. Il m'a dit qu'il n'est pas exilé. C'est une personne qui est venue en France dans les années 80. Il est de Fès, c'est un Marocain. Mais il n'est pas tout jeune. Non, il a 62 ans comme ça. Ouais. Oui, voilà. Il n'est pas vieux, mais il n'est pas tout jeune. Il n'a pas de 25 ans. C'est un film qui possède une dimension à la fois sociale, psychologique, un peu politique. Oui. En 2 minutes 20, on peut raconter une histoire. Oui, c'est extraordinaire. Justement. On voit cette personne avec une barquette de riz dans le... Moi, je ne voulais pas raconter les détails, si tu as remarqué. Oui, une barquette de riz. Alors, beaucoup de personnes, ils pensent que c'est un SDF. Non, ce n'est pas un SDF. Je suis allé chez lui il y a une semaine. C'est quelqu'un, comme on dit chez nous, khaouli. Mm-hmm. C'est-à-dire, il est avec la musique, tranquille, il ne dérange pas.
Il n'insulte personne, il est là, personne ne doit entendre ses pas, ne doit entendre sa voix. Mais ça n'empêche que dans le film, parce que tu l'as divulgué, à un moment donné, on le voit manger. Donc c'est quelqu'un qui se permet de manger dans la rue. Alors qu'il a un appartement, il a un studio, tout ça. Mais il voulait être en communion avec les autres uniquement. Ouais. Il voulait manger, regarder les gens le regardent. Il est intriguant ce monsieur. Tu as réussi quand même à avoir une place parmi, on le disait, parmi le top 20. Et avec beaucoup de commentaires, j'en ai sélectionné, mais tellement, je ne sais pas quoi lire. En tout cas, je vais lire juste les parce que ce monsieur, Lazeliab, il a laissé tout un truc, mais il dit juste le début de son intervention, une douleur de l'exil ou l'exil en silence qui s'exprime dans le reflet de l'âme, le retour aux envolées lyriques d'un temps qui n'est plus là. Voilà, celui-là. L'autre, il dit, je suis Zahreddine, dit, je suis très touché par le fond humain de ton film. Donc celui-là, il a tout compris. Oui. Parce qu'il y a un fond humain, c'est le regard. Ce monsieur, en plus, il te regarde à un moment donné, quand il a compris que tu filmais, il s'est laissé filmer, il te regardait, il se mettait en scène, mais il te regardait. Il y en a d'autres, ce que je pourrais lire. Alors, Dahman dit de belles images d'un Chibani sympathique et nostalgique, enfermé au milieu des tours de l'Esplanade de la Défense. Il y a d'autres qui disent impatient, pressé, visage fermé, regard perçant. Il y en a un autre qui dit ce petit film est très touchant, l'allure du personnage qui, malgré son aspect vieillissant, reste très élégant avec ses vêtements tendance. Son âge. Oui, voilà. C'est vrai. Chacun dit. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné. C'est pas l'immigré classique. Hein. Parce qu'à un moment donné, on va en Bermuda. Oui, oui, exactement. Exactement. Il n'habite pas très loin de la Défense. Il est à Nanterre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Enfin, je peux être. Oui. Allez, un film d'une originalité à couper le souffle. Ça, c'est un autre commentaire. Excellent, le personnage, la lumière, le contraste avec le lieu et la musique. Bravo. Qu'est-ce que je pourrais lire? Bon, beaucoup de choses. Bon, ça donne une idée aux auditeurs. Allez sur les réseaux sociaux, sur le Facebook ou juste sur Google. Mettez Mohamed Zahoui. Et puis, je suis condition humaine. Le film est en compétition. Oui, je voulais à l'occasion Vas-y. Féliciter et, les gens d'ici, de France, les Maghrébins de France, qui me soutiennent, surtout les Algériens. Sur Facebook, il y a des gens qui interviennent que je ne connais pas. Et puis aussi en Algérie, beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a cette fierté. Le fait que tu sois le seul Algérien dans ça. Voilà. Le seul Algérien. Oui. Le seul Arabe. Oui. Le seul Berbère. Oui. Le seul Africain, non, je ne sais pas. Voilà, oui. Aussi, oui, quelle a été ta première expérience en tant que réalisateur? Tu as commencé avec. Tu as toujours commencé, tes références ou tes inspirations aussi ont toujours été avec cette conception des films, l'imprévu ou. L'imprévu, j'étais un peu militant dans ma façon de faire toujours les choses, soit dans le théâtre, soit dans maintenant le cinéma, soit dans le journalisme. Quand j'ai débuté à l'âge de 17 ans et demi, mon premier article, c'était sur une grève dans mon lycée. Je suis toujours quelqu'un qui aime bien déranger tout ce qui est conventionnel. Donc cette approche... J'aime bien tout ce qui est poétique. Est-ce que tu envisages une autre technique pour tes prochains films? Une autre approche? Justement, je travaille sur l'intime beaucoup. Là, je vais faire un film que ça fait longtemps que je le travaille sur Bali. Othman Bali, le chanteur Touareg, qui est décédé, que j'ai rencontré à Londres, et on a discuté. Et justement, quelles sont les astuces que tu utilises d'abord pour te motiver toi, hein, parce que tu es tout seul, sans équipe, et puis pour aussi motiver le personnage durant le tournage? Comment... Ça dit, je reste pudique, je ne le dérange pas. Je ne lui dis pas, tu te mets comme ça, et tu me fais une mise en scène. La caméra, elle est toujours pudique, même si elle reste dans un coin, comme j'ai filmé l'écrivain algérien Tarwatar. Avec le personnage là, je ne lui ai pas dit de se mettre là ou là. Il connaît son espace. Voilà. Il connaît son espace. Donc, tu l'as respecté. Je l'ai respecté. La première fois, je ne bougeais pas. Mais après, j'ai commencé à bouger. S'approcher de son visage. Je te dis,
Je l'ai même cherché après ce personnage. Je ne l'ai pas trouvé sur l'esplanade. Ouais. Une semaine. Et il avait disparu. Je me suis dit, je vais faire un autre film sur sa disparition. Tu as filmé en deux temps, deux fois, ou c'était le même deux jour? Deux fois. Deux jours différents. Deux fois, parce que je suis revenu. Et tu as filmé beaucoup, beaucoup de minutes ou d'heures? Plus, il y a des heures que j'ai filmé. Comment t'es arrivé pour la demande du festival, la thématique de cette année, c'est la rencontre, le film doit commencer par « Je suis », et il fallait 2 minutes 20 secondes, très court. Comment t'as réussi à raconter, à réduire, à monter, à réduire à 2 minutes? Moi, je suis journaliste, oui, depuis l'âge de 17 ans. Le journalisme, il m'apprend d'être concis, d'être précis. Et ça m'a aidé aussi dans le montage. Mmh. Voilà, il fallait donner un rythme. 2 minutes 20, ça prend beaucoup de temps. Oui, ça prend toute une journée pour faire une information. C'est plus compliqué avec un film. Et après, je travaille sur la musique, sur... Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette rencontre, de ce travail? C'est nouveau pour toi? Même si tu as dit, j'ai fait... Mais le fait que ce soit court... Ça, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Ouais. Certainement. Un 13 minutes ou un 26 minutes, ça n'a rien à voir avec 2 minutes, puisque raconter en 2 minutes... Oui, c'est un... C'est un exercice difficile. Ah, je te l'accorde. Mais je l'ai fait. Il a quelque chose... il a une tête qui ne ressemble pas à celle des autres. C'est peut-être pour ça que beaucoup d'internautes... Oui, c'est un personnage cinématographique. Hein. Voilà, il a quelque chose... Là, dans le gestuel, dans le regard. D'ailleurs, j'ai ouvert au hasard un autre commentaire de Camille. Une œuvre qui capture vraiment la sensibilité de l'artiste derrière l'objectif. Ça, elle parle de toi, mais en même temps, c'est aussi c'est grâce à ce personnage qui était en face de toi, qui a quelque chose... dans la mimique, dans le regard, dans le gestuel. Oui, oui. Et son regard avec les yeux. Donc, écoutez, moi, je travaille beaucoup de générosité. Ouais. Lui, ici, il était généreux avec moi pour l'image. Et, ça s'est complété. Voilà, c'est-à-dire, je ne suis pas la personne qui travaille avec des budgets, voilà, faire un dossier, demander une subvention. Tout ça, il n'y a rien. Vous avez vu le générique, il n'y a rien. Il y a toi. Tous mes films sont... Même... Tu voulais faire une capture d'une séquence d'un homme solitaire en train d'attendre. Tu le dis, là, je suis en train de lire sur le dossier de presse, visiblement tourmenté dans l'immensité de l'Esplanade de la Défense à Paris. Et c'est vrai que l'espace et le lieu dans lequel se déroule l'histoire déterminent finalement l'histoire, parce que c'est grâce peut-être à cette immensité, ces lieux sont toujours un peu... C'est-à-dire l'être humain est un peu décalé, déshumanisé. Voilà, cet espace écrase l'être humain. C'est décalé, à la fois l'espace est écrasant, comme tu dis, oui, mais en même temps, c'est grâce à cet espace qu'on retrouve... Perspective, la lumière. Voilà, et puis l'intimité de ce jeune homme qu'on salue, que j'embrasse. Hein, oui. S'il écoute l'émission, elle sera en podcast. Et voilà, donc allez sur le site de festivalnikon.fr et cherchez Je suis condition humaine de Mohamed Zawi, le journaliste, mais aussi le réalisateur. Un film émouvant. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous en parler. Merci Mourad pour ton invitation et l'initiative que tu as prise. Ah oui, c'est moi qui suis venu vers toi, mais parce que j'ai dit c'est quoi ça, il faut en parler à Beurre FM. Et on est là, d'ailleurs, pour cela. Tu pars pas les mains vides. On a parlé de Farid Al-Attarach. On aurait pu écouter Allah. On aurait pu écouter Sleyman Azem, qui représente l'exil. Mais je me suis dit, allez, ce monsieur aime Oum Kalthoum. On va lui faire plaisir. On écoute un petit extrait d'Oum Kalthoum. Ce sera une occasion aussi pour nous, hein, pour notre plaisir. Merci encore une fois, Mohamed Zawi. L'émission a été réalisée par Samir. Je vous retrouve demain pour un autre Café des Artistes. Au revoir.